Moi c'est les amis et c'est avec un peu de plaisir que nous rejoignons aujourd'hui qui c'est mardi 5 octobre dans objectif pour nous poursuivre avec études, leçons, école sabbat pour semaine. Donc on est trimestre là. Encore une fois nous gagnons 13 semaines pour qu'on capable passer ensemble et semaine ça nous dans deuxième là et nous pral ouais ensemble jeudi à une autre partie dans cadre études pour semaine. Mais bien avant même que nous rentrions dans portion d'études que nous devons jeudi à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous disons merci pour ce que vous faites pour nous et pour ce que vous comptez réaliser dans la vie. Nous disons que aujourd'hui, nous réunis pour nous étudier une autre portion dans le cadre de parole. Ouvrez l'intelligence pour nous comprendre la parole et mettez en application nos bagues et mérites, mais nous vous concernons nos Jésus. Amen. Moi, je voulais remercier, féliciter, encourager et fort que vous consentez chaque jour pour arriver à étudier le son école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que vous finissez d'étudier, moi, en charge pour capable partager. Le son ça avec entourage ou et qu'on s'en plus moun capable privé étudier les sons de l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, nous encourageons à faire ça et nous encourageons tout pour faire amis, famille, entourage ou faire même gens ensemble avec vous. Comme nous connaissons déjà et trimestre là, nous avons l'autre guide d'étude, c'est la vérité présente dans le Deutéronome. Et semaine ça, nous dans la deuxième semaine là, nous avons appris ensemble deuxième leçon qui c'est l'enseignement de l'histoire de Moïse et ce thème ça que nous avons développé ensemble pendant toute semaine et verset pour nous mémoriser dans le cadre d'étude semaine ça c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 et 4. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu le même breuvage spirituel et ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était le Christ, 1 Corinthiens 10, verset 3 et 4, dans la version créole là, on regarde qui ça a causé, on dit, et yo tout, yo t'a mangé même manger l'Esprit bon Dieu te baio a. Yo tout te boire même boisson l'Esprit bon Dieu te baio a. C'est comme ça yo t'a boire de l'eau qui t'a sorti dans gros roche l'Esprit bon Dieu te baio a et puis qui t'a marché ensemble avec yo, roche ça c'était Christ là même. Ces versets pour nous mémoriser dans cadre étude pour semaine. Et jodi a qui c'est mardi 5 octobre. Nous allons ensemble partir de ce qui est titré « Mille fois plus nombreux ».« Mille fois plus nombreux », c'est thème pour étude jeudi. Et nous avons hier, dans le cadre d'étude, nous avons dit que le bon Dieu a dit qu'il quand même. Et nous avons une prophétie accomplie. Nous avons plusieurs prophéties. Tout ça, bon Dieu dit qu'il est arrivé quand même. Et jeudi, nous allons « Mille fois plus nombreux ». Et nous après que peuple ça te fin passer et ben un nombre de temps dans désert et Moïse qui c'est prophète de l'Éternel serviteur de l'Éternel et nous capable même considérer Moïse plus qu'un prophète Moïse t'a pas parlé dans nom l'Éternel dans Deutéronome chapitre 1 verset 8 pour le dire avec peuple là mes pays a garder pays a moi était devant nous entrer et puis prendre possession de pays ça qui moi-même moi était géré et bien pour me bailler avec papa Abraham ben Isaac et Jacob et avec tout le monde qui a venu après lui. C'est comme ça Moïse t'a parlé avec peuple là. Moïse t'a parlé comme si c'est l'Éternel, mais puisque c'est serviteur l'Éternel, c'est prophète l'Éternel. Moïse parlait dans nom l'Éternel ensemble avec peuple là. Mais on nous prêter attention pour nous voir qui ça et bien qui va le passer par la suite. Donc on lit dans Deutéronome chapitre 1 verset 9 pour arriver dans verset 11, nous va regarder qui ça eh bien, qui rive. Même là ça, moi te dis nous, moi pas capable responsable nous toutes pour compte moi. Chara trop pour moi. Seigneur, bon Dieu nous ba nous en pile petite qui fait kounya, nous vin en pile tant que étoiles dans ciel là. C'est pour Seigneur, bon Dieu ancêtre nous yo, ba nous mille fois plus petite parce que ça nous gain kounya. C'est pour le bénir nous Jean, il te promet nous en. Eh bien, on nous garder ça qui rive. Malgré peuple a été désobéissant, malgré peuple a eh bien t'as fait ça qui pas bon. Bon Dieu fait passer 40 années dans le désert, mais nous même en dans le désert, bon Dieu continue manifester bonté à l'égard de peuple ça. Même en dans le désert, pendant que bon Dieu lui-même l'a exercé jugement envers peuple ça, on dit qu'on savait tout bien, l'a châtié peuple là, l'a puni peuple là, l'a balle peine potée. Mais nous malgré ça, bon Dieu a manifesté bonté. Eh bien, non, avec peuple ça. C'est-à-dire, ça, c'est un autre exemple de bonté, bon Dieu. Eh bien, même dans le désert, à côté d'Israélite, tu as passé 40 années. Eh bien, bon Dieu, tu es toujours à bénir. Le peuple, ça, pas de jamais manquer en rien. Il pas manqué de l'eau, il pas manqué de manger, il pas manqué de rade. Malgré peuple, a déplacé de temps à autre, eh bien, de temps à autre dans le désert. Mais ça n'a pas empêché
que bon Dieu toujours prend soin yo. Et peuple là pied pas de jambe enflé, rat sous li pas de jambe usé, ça montre comment bon Dieu lui-même même pendant la exercer châtiment li envers peuple li, mais toujours manifester bonté. Et ben et bon Dieu montre et encore l'amour avec peuple là. Et Moïse demandé avec bon Dieu pour bon Dieu multiplier peuple ça encore pendant 1000 fois, c'est-à-dire 1000 fois plus que Jean qui li a malgré nous Moïse a plein que peuple là trop. Mais il m'a dit bon Dieu pour bon Dieu capable bénir peuple là 1000 fois plus. Nous va regarder connait là dans Deutéronome chapitre 1er, dans même chapitre là. Nous va aller connait dans verset 12. Pour arriver dans verset 17, nous va aller qui ça qui passe suite avec bénédiction que bon Dieu lagué sous peuple ça et qui mesure Moïse te prend face avec situation parce que peuple là lui-même l'a augmenté. Nous va aller qui mesure Moïse même lui te prend. Connait là nous va aller dans verset 12 pour arriver dans verset 17. Mais qui j'en pour nous faire pour nous protéger ça et ça pour contre moi pour me joindre une solution pour tout problème nous pour me régler tout un compte nous gagnons à clôt. C'est peut-être ça dans chaque branche famille nous yo choisi quelque nèg qui gagne l'esprit qui gagne bon comprendre qui gagne qui connaît la vie n'a mettre yo chef pour diriger nous laisse ça nous te répondre moi nous te dit comme ça. Ça a été demandé nous faire bon oui. C'est comme ça, moi prends chaque branche, moi prends chaque branche famille nous yo. Yo moun qui gagne l'esprit, moun qui connaît la vie, moi mettez au chef pour diriger nous. Et gagnant et moi mettez chef sous 1000 garçons et d'autres sous 100 garçons, d'autres sous 50 garçons et d'autres sous 10 garçons. Moi t'ai choisi et l'autre chef tout pour chaque branche famille laisse ça mais ça moi te mandé chef yo pour yo faire chercher connait les gain compte nous mitan peuple là n'a régler tout compte yon moun ka gain ak frère pareil ou sinon ak yon l'autre nation ka vive nan mitan nous n'a fait ça sans parti pris nous pas acheter figi les n'a juger yon bagay c'est pour nous juger tout moun même gens kit c'était un petit malheureux kit c'était un grand nèg nous pas besoin de personne parce que n'a jugé d'après principe bon Dieu bail. Laissez-yon cas qui trop difficile pour nous, n'a porté le vin devant moi, m'a jugé moi-même. Ben c'est comme ça Moïse et ben t'es parlé ensemble avec peuple là. Mais une bagarre nous qui paraît intéressant c'est que bon Dieu son Dieu donne. Bon Dieu toujours organisé et ben tout ça les mêmes liens fait. Ben comme ça nous même et ben bon Dieu t'est présent malgré bon Dieu t'est présent dans mitan peuple, mais bon Dieu t'est vle que peuple là li organisé. Bon Dieu devle peuple là structuré, bon Dieu devle gagne une chaîne de responsabilité. Et pas pour ça raison nous ouais, Moïse li bay yon moun géré 100, li bay Jérémie, li bay 50, li bay 10. C'est une façon pour que ben travail là lui-même li capable et ben bien fait. Et ben nous Israël, c'était yon kahal. Et qui veut dire yon assemblée qui organisé. C'était un précurseur de l'Ecclésia. Et bien, du Nouveau Testament, c'est-à-dire le mot utilisé pour l'Église dans le Nouveau Testament qui c'est Ecclésia. C'est-à-dire, nous voyons, et bien, l'Église là, comment elle était organisée dans l'Ancien Testament. Et nous voyons tout comment elle est organisée dans le Nouveau Testament. Bien que, et travaille dans un contexte qui est vraiment différent, Paul lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 12, lui évoque clairement la nécessité, et bien, nécessité qui gagne pour que l'Église a gagné des monde, des gens qui qualifiés, qui pour. Et bien assumer divers rôles en dans l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous en dans l'église bon Dieu, il y a différents types de monde, il y a pasteur, il y a apôtre, ben il y a enseignant, il y a tout type de monde, c'est-à-dire ben tout monde ça yo appelé pour que yo capable travailler dans vie bon Dieu, mais faut travail bon Dieu, les structurer, faut les organiser, faut gagne monde qui pour mener travail là. Ben c'est comme ça nous te Jean Noël dans Nouveau Testament, c'est comme ça l'itéré dans Ancien Testament et c'est ça tout que bon Dieu lui-même livré pour que l'église là li organisé. Et jodi a c'est comme ça l'église a deuyé, nous de gagne encore qui organisé côté chaque monde a fait travail et ben yo même yo de fait suivant. Donc que bon Dieu accorde ensemble avec nous. Nous chaque nous doué et ben arranger nous pour conformer nous avec travail que bon Dieu lui-même li confie nous. Bien que jodi a nous un grand monde et ben qui a parlé mal de la religion pour qui raison et ben yo pas d'accord pour que l'église elle même y organiser ou même réflexion que nous capable faire pour journée et ben est-ce que c'est dans cancer est-ce que vous souhaitez que l'église elle organiser
ou bien ou souhaiter l'église à lui-même les désorganiser. Ou à dire qui sont pensés, qui ça d'après eux-mêmes qui a fait l'église à lui bien. Et bien nous, la parole, bon Dieu, de tout temps, et bien bon Dieu voulait que l'église l'y a, l'y organiser. C'est comme ça, bon Dieu. Ouais. Bon Dieu, par où est l'église qui désorganisée, mais bon Dieu, oui. Il y a l'église qui est organisée côté chaque monde a du rôle qu'il doit jouer et comme ça, pour que la prédication de l'évangile là, lui-même, n'est capable de faire. Mille fois plus, nous, à travers la partie de l'Esprit aujourd'hui, côté bon Dieu lui-même, il te bénit, peuple, malgré la baisse chantiment, il bénit, mais nous, bon Dieu, il organise le peuple, parce que bon Dieu, c'est un Dieu d'ordre, et bien, bon Dieu, besoin que tout ce que nous avons fait, nous fait dans l'ordre et la bienséance. Mille fois plus nombreux, c'était parti de l'Esprit qui nous a pris ensemble aujourd'hui, qui c'est mardi 5 octobre, avant même que nous partions, à nous prier, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous pour que nous mettions parole sur une application, pour nous vivre ensemble avec vous chaque jour. Et nous va vivre, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous pas bon, nous pas gagner rythme même pour concerner nos Jésus. Amen. Deuxième souhaite de passer une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.